Il est 10h13 minutes quand le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, accompagné de quelques membres du bureau exécutif, a fait son entrée à l'hôpital moderne, la Renaissance. Le patron du palais de la démocratie n'est pas là pour une visite médicale, mais pour se faire vacciner contre la COVID-19. Aussitôt arrivé, Haroun Kabadi est soumis au rituel. Prise de tension et de température, avant d'être injecté la toute première dose de vaccin chinois anti-COVID-19, Sinopharm. Plusieurs parlementaires présents ont aussi suivi l'exemple. Rassurant, Haroun Kabadi exhorte les personnes concernées à venir massivement se faire vacciner. La population tchadienne a confiance quand même aux vaccins qui sont produits par les grandes firmes et par les grands pays. Si les autres ont pu faire vacciner leur population, il n'y a pas de raison que nous on ne puisse pas faire vacciner notre population. Moi, j'invite tout le peuple tchadien à se faire vacciner parce qu'on n'a pas d'autre type de médicaments contre ce virus. En attendant la seconde dose dans 3 semaines, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a vivement remercié la plus haute autorité du pays et les partenaires.